Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du championnat de rallye sur Colin McRae 1. On va du coup faire changer la partie. Et on s'était arrêté à la Suède. Donc avec la Corolla WRC. On va voir du coup pneus cloutés. On va garder par défaut hein, les réglages qui en général sont plutôt bons. On va faire continuer. Et c'est donc parti pour le rallye de Suède. 5, 4, 3, 2, 1, go! Angle droit à gauche. Alors là, on va se mettre dans le bain parce que ça fait quoi le temps que je vais pas continuer le jeu. On met l'accélération maximale évidemment pour sortir mieux des courbes. Ça glisse pas mal. On va rouler sur la version PC. Alors pour ceux qui auraient voulu voir le début, il faut aller voir les derniers streams en fait, puisque les deux premières parties ont été faites en direct. Et comme vous le savez, avec ma connexion, les streams n'est plus possible. Donc je n'ai pas la fibre ou autre. Ça sera du hors ligne malheureusement. Faut vraiment faire gaffe, et ouais, quand on reste à l'intérieur, et du coup on perd tout. 1 à gauche et 2 à droite. Long 2 à gauche, se resserre. Faut vraiment garder une bonne ligne. Trajectoire pas évidente. Angle droit à gauche. Ouais, il faut être plutôt calme. 3 à droite, 3 à gauche. Bon, je joue au clavier, hein, je précise. Parce qu'il y a le mode manette, mais ça ne marche pas. Il faut une mode net à l'ancienne, je crois. 2 à gauche et 3 à droite. 4 à droite, se resserre. On n'est pas encore dans le pire rallye, hein. Le pire rallye ça va être le rallye de l'Indonésie. Mais vous, sur la version PlayStation 1, on avait vraiment, vraiment galéré. Alors il est un peu moins piégeux que celui de Colin McRae Rally 2, le rallye de Suède, mais quand même. 4 à gauche, 5 à gauche et long 4 à droite. 3 à gauche. Ouais, il faut être coulé hein, sur la main de blanc. On a très vite fait de partir à la faute. Angle droit à gauche. Angle droit à droite. Long 4 à droite, se resserre. 3 à gauche, 2 à droite, sous pont et 1 à gauche, surarrivé. Ah, surarrivé, parfait. Première spéciale bien exécutée. Là, quand même, où sont les groupes A? Elles sont combien? Enfin, un groupe A, non, un groupe A, mais. Les Dalit 6, elles sont à combien? Stein finit avec le clavier à 5 secondes. Bon, ça, c'est pas mal 5 secondes, hein. C'est pas très grand. C'est parti pour la deuxième spéciale. 5, 4, 3, 2, 1, go! Angle droit à droite et 4 à gauche. Donc là, on n'est pas sur du verglas, on est un peu sur la neige compacte. 4 à gauche.
ça va accélérer beaucoup mieux, mais attention de ne pas faire trop de bêtises. Surtout on a un mini ravin sur les côtés, il va falloir éviter copieusement. Le jeu a pas mal vieilli hein, par rapport au 2 qui est quand même beaucoup plus joli. Mais quand même, le jeu est toujours aussi sympa. En tout cas en termes d'ambiance et de maniement, il reste toujours aussi excellent. Donc là on revient sur du verglas. Mais ça glisse d'un coup. Et voilà, ce qu'il fallait surtout pas faire. À l'intérieur du virage. L'avantage que j'ai avec la cour là, c'est qu'elle est mature assez courte. Donc du coup, j'ai moins tendance à balayer un peu tout le rebord de piste. Enfin, en tout cas moins qu'avec une Subaru, une Mitsubishi par exemple, ou même une Ford. C'est que maintenant en rallye, on a beaucoup plus de modèles compacts que de berlines. Oui, avec une boîte courte, on atteint rarement la vitesse maxi sur la Suède. Un rallye qui était compliqué aussi, c'est vraiment un rallye d'Italie. L'Italie est assez immonde, et justement parce qu'avec la cour là, le fait d'être beaucoup plus court, ça sera mieux. Et voilà. Ah, j'ai pas eu tout le temps que j'avais d'avance dans le dernier virage. Ah, 4 secondes. J'aurais pu être beaucoup mieux. Je pense que j'aurais pu être à 1 seconde du leader. Allez, Macré, Baclun, Yeti. Et nous-mêmes. Et du coup, Macré qui passe. Oui, on va enregistrer. Bon, l'écriture est pas très. pas très lisible, hein, comme vous avez remarqué. On n'a pas de dommage, donc on va garder par défaut. Et là on est spécial de nuit. Mais bon, de nuit dans la Suède ça change pas grand chose. Là je me rends compte qu'il n'y a pas d'éclairage. Je sais pas si on est vraiment de nuit, c'est juste qu'il fait pas beau. Mais la voiture n'est pas. Les phares sont pas allumés. De rendu Terriva, les anciennes cartes Nvidia, avant la série des GeForce d'ailleurs. C'est le rendu qui marche le mieux, je trouve. Voilà, je sais pas, par contre, il est assez pixelisé, mais moins que le mode software. Tant que tu dis rien, je continue. Hein.
j'ai vu tout ce qu'on perd quand on rentre dans le mur de neige. Il y a un effet qui est moins présent dans le 2 déjà à partir du premier. Cet effet de lenteur à l'accélération, le fait de perdre tellement de temps quand on est bloqué dans la neige. Même dans la boue. Dans le 2, les voitures sont beaucoup plus vives. Je vais réussir l'exploit de m'enfoncer. Ah, c'est pas une Saab 900 qu'il y a derrière? Possible, hein? Ou 9000 plutôt, je sais plus. Je crois que c'est une Saab. Bon, du coup, on reprend la tête sur. Ah, et Macra finit 3ème, Yati est 2ème. Ah, voilà, la vraie nuit. Donc, effectivement, je pensais que les phares marchaient pas, mais c'est juste qu'on était pas en mode nuit. Bon, je vous remets des audios au cas où, mais... Ouais, on va s'arrêter là, parce que c'est... Je ne comprends pas que je fasse d'erreur. Pas faire, je l'ai fait. Il y a les motoneiges sur le côté. C'est vraiment les murs, hein. Donc qui dit mur dit qu'on va pas s'enfoncer dans la neige, on va juste rebondir comme un vrai mur. La version PC est quand même pas
nettement plus belle que la version PlayStation. Hein. C'est évidemment un peu mieux au niveau des textures. Mais bon, PlayStation s'en sort très bien à l'époque. Ah, parfait. On va enregistrer, bien sûr. Je n'ai... Pour le moment, ah si, j'allais dire, j'ai rien à réparer, mais si, un tout petit peu. Au niveau du frein, bon, bah, c'est comme ça, pour le moment. Et retour à la journée, par contre, il y a du brouillard. 5, 4, 3, 2, 1, go ! 1 à gauche et 2 à droite. À gauche, se resserre, et 5 à gauche, prudence, salut. Sur crête, et 1 à gauche, et angle droit à droite. Ah, c'est vraiment pas évident d'avoir le gabarit avec cette vue-là. 2 à gauche. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. À gauche, se resserre. J'ai un retard de 2 secondes. L'immersion y est. Et voilà, je fais n'importe quoi, donc du coup on va vite reprendre la vue habituelle. 2 à droite et 5 à gauche. 2 à gauche sur crête et 3 à droite. 2 à droite. Heureusement qu'il y avait quelque chose pour nous faire rebondir. Angle droit à droite. Sur crête et 2 à gauche et 1 à droite. Long 2 à gauche. Il n'y a plus qu'à 3 millièmes, 3 centièmes de leader. C'est vers là. Je fais pause 3 secondes. Voilà, petit contre-temps téléphonique, on se retrouve. Et du coup j'ai perdu du temps. Bon, c'est pas grave. Bon, ça reste toujours en avance. 1 à gauche et 2 à droite. Sur crête. Long 5 à droite. Je crois que le jeu peut monter jusqu'à une résolution de 1024, si je ne me trompe pas. Ou 800x600, je ne sais plus, ça dépend du mode que vous choisissez. Je vais se poser mes deux phares arrière. Ça n'a pas d'impact. Vous avez vu la taille des roues, c'est les roues limite galettes, bah comme en vrai d'ailleurs, ils ont poussé le souci du détail jusque là.
On a épique, on a fait le meilleur tour en plus, c'est parfait. Et du coup, au niveau du rallye, bah, pour l'instant, on a pas mal d'avance. Hein. On a 20 secondes. 21. Et la dernière étape. 5, 4, 3, 2, 1, go! 1 à gauche. 4 à droite. 1, 2 à droite. Ce qui est marrant, c'est que la courbe là, c'est une voiture que je détestais à l'époque. Et maintenant, en fait, plus je la vois, plus je l'apprécie. C'est la voiture que j'aimais le moins d'ailleurs dans Colin McRae. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi dans la version Need for Speed de Verali, hein, justement. Pourquoi c'était la seule des deux versions, de la version originale et la version Need for Speed, à avoir la Corolla en plus. Ça, j'ai jamais compris. Là, ça fait penser peut-être qu'un jour Sébastien Auger aura son nom sur un jeu vidéo. Hein. Il y a bien eu Sébastien Love, il y a bien eu Toby McKinnon, il y a eu aussi donc Colin McRae, Richard Burns a eu son jeu de rallye, qui est d'ailleurs peut-être le plus difficile de tous les jeux de rallye. Mais il y a sûrement eu d'autres noms hein, dans les consoles 16 bits par exemple. Je me demande s'il n'y a pas un jeu qui s'appelle Carlos Sainz Rally aussi. Ah, le casque qui glisse, c'est magnifique. Attends, je vais replacer aussi, voilà, parce que chaque fois que je voulais replacer ça. Voilà, c'est mieux. Et bah, décidément. Le tour de cette vidéo. Là, il me semble que l'année prochaine, les WRC vont passer en hybride, comme la Formule 1 à l'époque. J'imagine que le poids des voitures va être encore plus haut, comme la F1. Après, bon, je pourrais écouter un peu les premiers sons des voitures en hybride, je trouve que ça va, mais pas trop. En revanche, on verra en termes de performance que ça va donner. Parce que l'électrique, en temps d'accélération, je pense que ça va quand même... bien poussé, je pense que c'est une voiture de rallye, peut-être que ça a plus d'avantages qu'en temps Formule 1. Même si elles sont un poil plus lourdes. Ah, je suis sorti. On verra ce que ça donne. Après un énième titre d'Ogier. Je pense qu'on va devoir attendre longtemps avant d'avoir à nouveau un gros français champion. Et on a réussi à faire le meilleur temps dans le... en tout cas faire le meilleur chrono dans le dernier secteur, la dernière portion. Et du coup normalement, ben voilà, on a gagné. Alors pour l'instant, 5 rallyes gagnés d'un coup, c'est quand même pas mal. Donc on a 50 points, il nous reste 3 rallyes à faire. Bah écoutez, on va se retrouver... Ah mais c'est bizarre parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6... On a que 8 rallyes, mais attendez, on n'a pas le rallye de... Non, pas le rallye d'Italie. Ah, mais l'avant-dernier, c'est l'Italie, je crois. Enfin, c'est un peu bizarre, mais... Non, c'est l'Indonésie. Ah, quelque chose qui m'échappe, là. Quelque chose qui m'échappe. Bon, en attendant, donc, s'il nous reste 3 rallyes, eh ben, logiquement, si on termine deuxième à chaque fois, on est quand même champion. Mais bon, ça va être compliqué la suite, hein. Vous allez voir, Rallye de France aussi, on va enregistrer. Oui.
Allez, Viatic, parce que c'est troisième. On est entouré des deux Subaru. Et voilà pour Macré, et on arrive. Et voilà. Du coup, on se retrouvera au Rallye de Corse pour la suite de ce let's play. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.